Vaisseau ennemi en approche! À couvert, vite! Ha ha! La foudre a grillé leur navette! Les voilà! Quand il y a un largage, c'est carrément complet. Tiens bon! Depuis quand les rochers flottent? Ne vous occupez pas de ça! Attention! Voilà une autre navette! Avec un temps pareil? Je crois qu'ils nous ont remarqués. C'est quoi ça? Des chiens? Si seulement. Ils ont une sorte de camouflage bizarre. Sans déconner! Oui. Toujours en vie. Ouais. Présente. Je n'arrive pas à les viser. Ils sont trop nombreux. Continuez de tirer. On va y arriver. Oh, oh, oh. Merde, ils savent se battre, c'est con. Ah ! Ça a été d'éclat ! Merde, ils lâchent rien ! Ce n'est pas le moment de perdre son calme. Voilà, ça va mieux. Les autres ont survécu? Fisher est blessé, mais ça va. Greer a disparu. Et la navette est en miettes. Hé hey! Elle est blessée! À couvert! À couvert! Juste avant l'attaque, j'ai réparé nos transmetteurs. Vous êtes la meilleure. Reposez-vous maintenant. Sam, tu es là? Liaison avec l'ensemble établi. Affirmatif, Ryder. Le pionnier veut vous parler. Content de te voir en vie. Quelle est la situation? Je suis avec Liam et Cora. On a des blessés. La bonne nouvelle, c'est que la navette est réparée. On peut rentrer sur l'arche. Pas maintenant. C'est trop risqué avec ces orages. Nos blessés ont besoin de soins rapidement. Une idée, peut-être? Si c'est l'orage qui pose problème, il n'y a plus qu'à l'arrêter. Comment ça, arrêter un orage? J'ai ma petite idée là-dessus. Rejoignez mes coordonnées tout de suite, on va... Bon sang, ils m'ont repéré! Chef? Chef! On peut vous laisser avec elle? Je peux la stabiliser. Pour l'instant.
En route. Sam, tu as la position du pionnier ? J'ajoute les coordonnées à votre carte. Ça n'a pas l'air trop loin. Dépêchons-nous. Écrire. S'il n'a pas encore donné signe de vie, on ne peut rien y faire. Tout ce qui compte, c'est le pionnier. Qu'est-ce que mon père cherchait ? Il essayait d'obtenir des infos sur cette tour. Les coordonnées le placent dans la zone. Usez de prudence. L'orage commence déjà à s'intensifier. Ça fait plaisir de te retrouver, Sam. Tu veux pas nous donner de bonnes nouvelles la prochaine fois ? Ryder, votre père était en difficulté. Il faut qu'on le retrouve. Il faut qu'on retrouve le pionnier, le plus vite possible. Sam a raison. On n'a pas beaucoup de temps. Regardez, les paratonnerres! Ils attirent la foudre! Si on reste près du mur, ils devraient nous protéger. Il y a des morts. Ce n'est pas la foudre qui a fait ça. Des munitions incendiaires. Mon père s'amuse bien. C'est un ancien N7. Il rigole pas, cela. C'était une bonne idée de planter ces paratonnerres! C'est le seul moyen de survivre ici. On n'est pas loin. D'après les coordonnées, mon père est... Chef. Restez baissé. Natifs de cette planète. En effet, on a trouvé un labo désert, comme s'ils étudiaient ce monde. Bien joué. C'est du beau travail d'éclaireuse. Merci, mais je ne fais que mon travail d'exploratrice. Eh bien, ce sont des débuts prometteurs. Un vrai baptême du feu. Chef, vous disiez avoir une idée concernant l'orage ? Le nuage d'énergie noire que l'Hyperion a touché. Il affecte toute la planète. Il interfère avec... La tour est prise dans une boucle de réponse avec le nuage. Ensemble, ils perturbent le climat au moyen d'une énergie extrêmement instable. Ça expliquerait la végétation qu'on a vue dans cette grotte, à l'abri de l'orage et de cette tour. C'est une bonne piste. Et je crois que si on arrivait à y entrer et à l'éteindre, la foudre s'arrêterait. Et la navette pourrait nous sortir d'ici. En théorie, il faut juste qu'on les contourne. C'est un pari risqué, mais on ne sera pas fixé tant qu'on n'aura pas essayé. Soyons très réalistes, la route ne sera pas des plus agréables. Si les Riders en sont, j'en suis. Mais le problème, c'est qu'on risque d'aggraver nos relations avec ces créatures. C'est eux ou nous ? Oh, ça sera eux, mais ils sont bien plus nombreux. J'y travaille, il faut juste qu'on change un peu la donne. Avancez jusqu'à la structure. Sam, charge le profil de combat. Les voilà ! Voilà, maintenant on a leur attention. Attention à la foudre ! Entrez dans ce bâtiment ! Il ne faut pas qu'on s'enlise ici ! Ça a vite dégénéré ! Allez, allez ! Il en sort de partout !
Restez groupés. Ne vous faites pas séparer. Il faut avancer. Interface d'ampli biotique. Je suis là. Ne lâchez rien. Il ne faut pas qu'ils prennent le dessus. Il faut qu'on garde un œil sur notre flanc. Pas si on continue d'avancer. Ne les laissez pas nous rattraper. Tenez le rythme. Prête. Entrons là-dedans. Non, c'est Greer sur la table. Ils l'ont tué. On essaiera de venir le récupérer. Pour l'instant, on doit continuer. C'est comme s'il l'avait décortiqué pour comprendre son fonctionnement. Sam, passe au profil technicien. Sam me donne un petit coup de main. Comment ça? Concentrez-vous plutôt sur le combat. L'orage est plus fort. On va rater notre chance si on ne se dépêche pas. Allez! On y est presque. On dirait le centre de contrôle. Éloignez-les-moi! Vous l'avez entendu? On y est arrivé. En un seul morceau. C'est pas encore fini. Il faut que je passe par cette porte là-bas. T'en es où? Il faut que j'arrive à déchiffrer cette langue.
En voilà d'autres! C'est quoi le plan? Ils vont nous encercler, on n'a rien de temps! Il faut qu'on défende les deux côtés, ou ils nous prendront à revers! Où est-ce qu'on doit se poster? Compris! D'accord! Attention! Je crois qu'il y a du mouvement! On les a tenus en respect à la navette, on peut y arriver cette fois aussi! Des tas de gens comptent encore sur nous! Je m'échauffe à peine! Ils plaisantent pas! Éloignez-les de votre père! Analyse des entrées possibles. Décryptage à 25%. Dépêche-toi, on n'a plus le temps! Faut pas qu'il passe! C'est quoi cet endroit d'abord? Aucune idée, mais ils ont l'air d'y tenir! Alors? Décryptage à 50%. La syntaxe est étrangement complexe. Je vois ça. Essaie une recherche récursive. J'ai besoin d'un instant pour évaluer la séquence. Juste un instant. Vas-y! Je crois que je l'ai vraiment énervé, celui-là. C'est parce que je vais tirer en pleine tronche. Chef, ça avance? Décryptage à 75%. On y est presque! Il faut tenir encore un peu! Il se replie! Il se regroupe peut-être pour un nouvel assaut. Restez en alerte. Terminé. Ça a marché! C'est un accès au système de sécurité. Je vais essayer d'ouvrir la porte d'ici. Et merde! Elle est bloquée! Je dois y jeter un œil. Ryder! J'ai besoin d'aide ici! C'est bon, allez-y! On surveille vos arrières! Il faut qu'on ouvre cette porte! Je m'en occupe! Allez! Un peu de nez. Tu penses vraiment qu'on peut désactiver ça? On va voir. Ça m'a décodé une partie du langage. Voyons si je peux avoir une conversation. À qui est-ce que tu comptes parler? Plutôt à quoi? Je crois que c'est un robot. Allez, viens. C'est ce genre de moment qui fait l'intérêt de ce travail. Sam, commence à traduire. Un instant. Indexation. Traduction terminée. Voyons ce que ça donne. C'est ce que les gens de l'Arche attendent. L'espoir que ça va marcher. Mais c'est pas en restant là à admirer le paysage que ça arrivera. Retournons à la navette et... Thank you.
Sur le champ. On met la navette en route. Arrivée prévue dans 3 ou 4 minutes. C'est trop long. Respire profondément. Qu'est-ce que tu... Transfert amorcé. L'implant de Ryder est en surcharge, je suggère une connexion directe. Vas-y. Maintenant! Bonjour. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes cliniquement morte pendant 22 secondes. Le reste de l'équipe est en vie. Salut, vous êtes encore en vie. Venez tous au bloc Sam, Ryder est réveillé. Vous parliez avec qui? Sam. Je l'ai pas entendu. Bonjour. Regardez-la. Et là. Mon père. Où? C'était lui ou vous. Il a fait son choix. Je suis désolée. Je sais que ça doit être un choc. Je ne peux pas croire qu'il soit plus là. Tout se passait bien et l'instant d'après, il... Je sais qu'il pouvait être distant, mais il m'avait dit que quand son heure viendrait, il voudrait s'éteindre parmi des étoiles encore inconnues. Pourquoi est-ce qu'on est dans le bloc Sam? Sam fait partie de vous maintenant. Mais on ne sait pas encore tout ce que ça implique. Votre cerveau en a souffert. Sam? Votre père m'a autorisé à effectuer le transfert de son accès pionnier. Ça ne devrait pas être Cora? En théorie. En réalité, vous êtes la nouvelle pionnière. Waouh. Eh bien... Si on n'a pas d'autre choix... Ne vous rabaissez pas. Vous en êtes capable. Cora? C'est ce qu'il voulait. Je ne m'interposerai pas. Mais le rôle de pionnière est très sérieux. Vous êtes vraiment prête à l'assumer? On sait ce que mon père en pensait. Il n'était pas du genre à demander la permission. À vous de gueuler les ordres, maintenant. De toute façon, vos avis n'ont guère d'importance. Sam est profondément lié à votre esprit. Défaire ce lien risquerait de vous tuer. Je sais que c'est dur, mais... on doit penser à ce qu'on va faire maintenant. Il y a beaucoup de gens qui comptent sur nous. Notre arche dérive toujours? Justement. La tour que votre père a activée nous a sauvé la mise. C'est un genre de filtre d'atmosphère. Le nuage d'énergie s'est dissipé. On est en route vers le point de ralliement. On sera bientôt au Nexus. Elle a besoin de se reposer. Elle a 2 heures. On aura besoin de notre pionnière.
Au fait, j'ai vu votre frère. Il n'y a pas vraiment de changement, mais il a autant de chances de s'en sortir que vous. Vous tenez tous les deux de votre père. Votre père nous manquera. Qu'est-ce qui se passe, Sam ? C'est notre canal privé. Je le partageais avec lui. Il n'a jamais mentionné ce canal. Ça m'a permis de mieux le connaître. Alec n'aurait pas voulu que nous nous éloignions du but. Pour lui, la peine était un moteur destiné à nous rendre plus forts. Ryder, ravi de vous revoir sur pied. On est sur le Nexus. C'est l'éclaireur de l'initiative Andromède. Les arches Asari, Galarienne et Turienne devraient être là aussi. J'espère qu'elles ont eu plus de chance. Le voilà. Ça a l'air presque aussi grand que la citadelle. Contrôle du Nexus, ici l'Arche Hyperion. Permission d'amarrer. Capitaine, je ne reçois que leur canal d'approche automatique. Personne ne répond. Eh bien, qu'ils le veuillent ou non, on est là. Allons-y. Les travaux devraient déjà être terminés. Ça pourrait être pire. Vraiment ? L'Habitat 7 est un échec. On s'est battu avec les premiers aliens rencontrés, et notre pionnier est mort. Tout est en ordre. Procédure d'amarrage lancée. Ok. Je nous ai amenés ici. Bonne chance, pionnière. Ça va aller, Ryder ? Le capitaine vient de m'appeler pionnière. J'ai encore du mal à le croire. Respirez un bon coup. Je n'arrive toujours pas à croire que mon père est mort. C'est lui qui aurait dû être là. Mais en l'occurrence, vous êtes là à sa place. Vous devez simplement décider de ce que vous allez faire. Par où je commence ? Je sais pas si je suis prête.
On n'était pas prêt à faire de la chute libre sur l'habitat 7 non plus, et on a survécu. C'est vrai. Note pour plus tard, toujours garder un micropropulseur sous la main. De voir des visages amicaux pour une fois. Le Nexus dispose d'une équipe de soutien. Juste ce qu'il faut pour finir la construction de la station et offrir un refuge aux Arches. Ce qui veut dire qu'on peut commencer à réveiller nos passagers. Ils ont monté un bar, j'espère. Notre arrivée mérite bien une petite coupe de champagne. Vous croyez vraiment? Après ce qu'on a traversé, une petite cuite me ferait pas de mal. Vous n'êtes pas le seul. Ouais, jusqu'ici c'est rude. On s'en remettra. On a un vrai repas et une douche qui nous attendent. Nous y voilà. Je vois pas de champagne. Où est-ce qu'ils sont tous? C'est bizarre quand même. C'est comme si tout était en veille. S'ils veulent nous faire une surprise, c'est réussi. On devrait voir ce que l'IV peut nous dire. Bienvenue sur le Nexus, porte d'entrée vers Andromède. Je suis Avina, intelligence virtuelle, conçue pour faciliter votre processus d'immigration. Vous pouvez nous dire où se passe le pot d'accueil? Désolée, mon code se limite à certaines informations et simulations d'interaction. Veuillez choisir parmi les réponses préprogrammées suivantes. On est en quelle année? Nous sommes en 2819. Après avoir passé plus de 600 ans en stase, il est normal de vous sentir désorienté à votre arrivée. Notre personnel médical peut vous aider à traiter tout malaise physique ou psychologique que vous pourriez ressentir. Au moins, elle ne s'est pas trompée sur la date. Mais où est tout le monde? Quelle est la procédure d'immigration? Nous vous demandons de vous soumettre à un bref examen médical afin de nous assurer de votre bonne santé après un si long voyage. Ensuite, nos experts en colonisation vous aideront à trouver votre nouvelle terre d'accueil. Merci d'attendre votre tour. Des milliers de colons impatients attendent, comme vous, de commencer leur nouvelle vie andromédienne. Hein? Où ça? Y a personne ici. Parlez-moi de la galaxie d'Andromède. Vous vous trouvez actuellement à plus de 2 millions d'années-lumière de la Voie lactée. Aucune forme de vie n'était allée aussi loin de notre système d'origine, ce qui fait de vous une valeureuse exploratrice. Le Nexus est situé dans une région connue sous le nom de Secteur Eleus. Ici, vos milliers de camarades colons et vous-même allez réaliser vos rêves de nouveau monde. L'avenir vous attend. Qu'est-ce que c'est, le Nexus? Le Nexus sert de quartier général à l'initiative Andromède et ses efforts de colonisation. C'est la première destination pour tous les colons qui arrivent dans la nouvelle galaxie. N'hésitez pas à profiter de tous les services que vous offre le Nexus, futur siège du gouvernement des colons de la Voie lactée. Créer un environnement sûr, stable et prospère est notre premier objectif. On ne dirait pas. Où vivent les colons? Une fois la procédure d'immigration terminée, notre personnel vous aidera à choisir la planète de vos rêves. S'agira-t-il du paradis tropical d'Habitat 7? Des collines ondoyantes d'Habitat 3, ou peut-être du mystérieux crépuscule d'Habitat 5. Quel que soit votre choix, sachez que nos pionniers ont minutieusement examiné chaque monde pour garantir votre sécurité et votre prospérité. Rien que ça. L'Habitat 7? C'est là qu'on a atterri. Elle retarde complètement. C'est tout. Ce fut un plaisir. Merci de consulter le personnel d'immigration pour plus d'informations. Et bienvenue chez vous. À Andromède, où nulle étoile ne brille plus que vous. Temps d'attente pour la procédure d'immigration estimée à... erreur inconnue. On est bien avancé. Les plantes sont toujours en vie. C'est comme s'ils s'étaient arrêtés en cours de construction.
quelqu'un? Cet endroit devrait grouiller de gens. Je vois quelqu'un. Il a peut-être du champagne. Bonjour. On est de l'Archipérion. Et on se demande où sont passés tous les autres. Est-ce qu'il a entendu? Une arche, vous dites? Oui, on vient d'arriver. À ce propos, votre IV là-bas aurait bien besoin d'une mise à jour. Mais on vous croyait tous morts. Quoi? Ou prisonniers, ou perdus dans l'abîme, ou... Mais vous êtes ici. Vous n'imaginez pas ce que ça représente. Je n'en reviens pas. Je suis Terran Kandros. Je dirige notre milice sur le Nexus. Moi, c'est Ryder. Voici Cora Harper et Liam Costa, qui font partie de mon équipe. Désolé pour cette confusion. Nos capteurs nous ont prévenus de l'arrivée d'une arche, mais il arrive qu'Aleus brouille les équipements. On a pris votre signal pour une défaillance. Mais vous ne nous attendiez pas? Vous êtes la première arche qu'on voit. Après un an d'attente et aucun signe des autres, on a fermé cette zone et abandonné les recherches. Ça fait un an que vous êtes bloqué? Plus. Venez. Je vous expliquerai en chemin. Tout ce qui pouvait mal tourner dans notre plan a mal tourné. On est arrivé il y a 14 mois, et on a aussitôt touché un amas d'énergie noire, qui nous a dévié de notre trajectoire. On y a eu droit aussi. Alors vous comprendrez pourquoi on l'appelle le fléau. On a perdu des sections entières de la station. Beaucoup de gens sont morts. Pas d'électricité, pas de nourriture. Le chaos a duré des mois. Ça a fini par déclencher une rébellion armée. Quand l'ordre a été rétabli, les rebelles ont été bannis. On les appelle les exilés. Tout est rentré dans l'ordre? Loin de là. Mais maintenant que vous êtes là, le pire est peut-être derrière nous. Pas de nouvelles des autres pionniers? Pas de nouvelles de qui que ce soit. Des problèmes avec les habitants du secteur? On a fait profil bas jusqu'à maintenant. On y est. Allez-y, je veux juste vérifier l'état de la sécurité. Je dois préciser que notre structure de commandement a changé. Des chefs disparus ont dû être remplacés. C'est bien vrai? On nous a dit de venir en rapport immédiatement. Et personne ne s'attendait à voir débarquer enfin une arche? Toutes les procédures d'amarrage sont en place. Intégration de l'Hyperion au circuit électrique. L'équipage de l'Hyperion. Bonne chance. Je suis Jarun Tan, directeur de l'initiative. Vous n'imaginez pas ce que votre arrivée représente. Après ce qu'il vous est arrivé, nous voulons vous aider. On manque de tout. Nourriture, eau, toute denrée nous serait d'une aide précieuse. Voici Foster Addison, la responsable des affaires coloniales. Où est le pionnier? Vous l'avez devant vous. Vous n'êtes pas Alec Ryder. Mon père est mort. Il m'a choisi comme successeur. Alec est mort? Comprenez bien, c'est toute l'initiative qui est en danger. Les mondes en or n'ont rien donné, un total échec. Et nous sommes sans nouvelles des autres arches. Qu'est-ce qu'elles sont devenues? Aucune idée. Nous sommes presque à court de provisions. Malgré les rationnements, nous n'allons pas tenir longtemps. Nous manquons de bras pour trouver d'autres ressources. Et malheureusement, nous ne pouvons pas réveiller les autres. Avant d'avoir une planète où vivre, un monde en or. Plus que jamais, nous avons besoin d'une pionnière. C'est à vous de prendre le relais, Ryder. En êtes-vous capable?
Mon père savait ce que c'était d'être pionnier. Il ne m'aurait pas choisi s'il ne m'estimait pas à la hauteur. Votre père ne sera pas là pour réparer vos erreurs. Eh bien, quelle hospitalité. Nak Morkesh, gardienne de la station, j'espère qu'ils ne vous ont pas déjà donné envie de repartir. Cela n'a rien de personnel, mais l'heure n'est pas à la formation sur le tas. Au moins, notre pionnière semble prête à essayer. Un point de vue différent pourrait nous être utile. Je voulais juste vous faire part de mes inquiétudes. Faites-en ce que vous voulez. Tout le monde est sous pression. Allons discuter dans mon bureau, Ryder. J'aimerais vous donner un vaisseau éclaireur. Je serai ravi de régler les détails avec votre associé. Bienvenue sur le Nexus. Je ne m'attendais pas à ce que ça dégénère à ce point. Je sais. Mais dites-vous que rien n'est encore joué. Chef, le cœur de l'Hyperion est connecté. Je veux vous montrer quelque chose. Il y a une heure, tout ça, c'était noir. Maintenant, c'est l'énergie de votre vaisseau qui garde les lumières allumées. Vous avez une vote. Et quand les réserves seront à sec? Vous devriez aller voir Monsieur Tan, pour veiller à ce que ça n'arrive pas. Et ne soyez pas timide. Passez me voir à l'occasion. Voilà l'habitat 7, la planète qu'on a trouvée. Absolument invivable. Comme tous les autres mondes que nous avons trouvés. Ryder, nous discutions de votre prochaine expédition. Je croyais que je n'étais pas à la hauteur de mon titre. La directrice Addison a son avis. J'ai le mien. Et si vous n'êtes pas d'accord ? C'est moi qui dirige l'initiative, et j'ai décidé de vous donner une chance de faire vos preuves. Ce fléau nous a donc causé de sérieux ennuis. Nous ignorons son origine, mais nos scientifiques pensent que ça n'a rien de naturel. Un nuage d'énergie artificielle ? Il n'était pas là à l'époque de notre départ, mais il a rendu tous les mondes en or inhabitables. Il y a aussi les aliens que vous avez vus, les Kert. Ils semblent obsédés par des structures éparpillées dans tout le secteur. Ils sont prêts à tout pour se les approprier. Il semble que le meurtre ne soit pas un concept exclusif à la Voie lactée. Le défi maintenant va être de coloniser un monde malgré tout ça. Celui-ci, Eos. Comment ? Commencez par augmenter la viabilité de la planète pour que nous puissions établir un avant-poste. Nous réveillerons alors plus de colons. Plus nous aurons de colons, plus nous pourrons rassembler de ressources pour soutenir le Nexus. Tout repose sur ça. Il y a 6 mondes que nous espérons coloniser. D'accord, mais toutes les planètes que vous avez trouvées sont inhabitables. Comment je peux... Une bonne pionnière se ferait un plaisir de relever un tel défi. Bon, je crois que j'ai des choses à faire. Donc, si j'échoue, ça ne vous posera aucun problème et vous aurez juste à trouver un autre pionnier, c'est ça ? Miser sur des individus, c'est une de mes responsabilités. Certains rapportent, d'autres... Je crois surtout que vous avez besoin de moi. Si je réussis, les gens vous verront enfin comme le dirigeant que vous faites semblant d'être. Mais pour cela, vous devez d'abord devenir la pionnière que vous faites semblant d'être. Où est mon vaisseau ? Il est en préparation dans la baie d'amarrage. Les coordonnées d'Eos seront dans l'ordinateur. Et quand vous aurez un moment, j'aimerais discuter des arches disparues. Je me demandais ce qu'il en est... Ah ! Ça ne va pas ? Ryder, venez me voir au bloc SAM sur l'Hyperion. Je dois m'occuper de votre implant et nous devons parler d'une affaire confidentielle. Si, si. Ça va.
ça a l'air d'aller. Bonjour, je suis Jen Carson, fondatrice de l'Initiative. C'est grâce à votre dur labeur que la vision du Nexus a pu devenir réalité. Vous, ainsi que tous vos collègues, formez le lien qui soude nos splendides nouvelles colonies. Admirez vos exploits. Si vous avez des questions, ma porte est toujours ouverte. Le bureau de la fondatrice est situé à espace de travail non attribué. Veuillez choisir un sujet. Des planètes viables, capables d'accueillir la vie, sont essentielles à notre survie dans Andromède. La viabilité d'un monde est influencée par plusieurs facteurs, dont la température, les ressources, les menaces, la stabilité politique, etc. Il y a peu de planètes viables actuellement à notre portée. Les niveaux de ressources sont considérés comme précaires. Vous êtes Ryder, code employé 19B, pionnière en activité. Votre supérieur est directeur Jarun Tan. D'après les besoins de personnel actuels, vous aurez la possibilité de prendre des congés payés dans 587 jours. Sérieusement ? En attendant, commencez donc à réfléchir dans quelle magnifique colonie vous allez partir en vacances. L'intégration de l'Hyperion est en cours. Le personnel est toujours confiné au centre des opérations. Dans le cadre de sa sélection, l'Initiative Andromède a évalué des milliers de planètes potentiellement habitables dans la galaxie. Après la découverte d'un nombre étonnamment élevé de candidats, appelés Monde en Or, le secteur Eleus a été sélectionné comme destination. Même de loin, l'étude de la lumière des étoiles permet d'en apprendre beaucoup sur la composition et l'atmosphère de leur planète. Sept mondes, surnommés Habitat, disposent des environnements et ressources nécessaires pour notre nouvelle vie dans Andromède. Pour la stratégie de l'initiative et la coordination des pionniers, consultez le directeur Jarun Tan. Pour les affaires coloniales ou la situation des avant-postes, consultez la directrice Foster Addison. Pour la maintenance de la station, contactez la surintendante Nakmor Kesh. Pour les opérations de la milice ou le déploiement de l'Apex, consultez Terran Kandros. Bonjour Ryder, bienvenue dans le bloc SAM. J'ai ajusté ma connexion à votre implant. Le mal de tête que vous avez subi ne devrait pas se reproduire. Qu'est-ce qui se passe? T'as dit que tu voulais parler d'une affaire confidentielle? Il y a certaines choses que vous devez savoir avant de partir en expédition. Je préférerais en parler en privé. Les restrictions d'accès au bloc...
Sam, si on doit travailler ensemble, il ne faut pas que tu me caches des choses. Mes excuses. Je ne fais que respecter la volonté de votre père. Qu'est-ce qu'il cachait ? Mes véritables capacités. Alec a contourné les protocoles de sécurité de l'implant, ce qui me donne un accès illimité à la physiologie du pionnier. Moi, donc ? Et vous seulement. Je peux décupler votre force en amplifiant drastiquement vos compétences neuronales et motrices en cas de besoin. Alec les appelait les profils. Ils procurent des avantages tactiques uniques en combat. Votre père préférait garder ce détail pour lui. Garder un tel secret ne ferait qu'éveiller les soupçons et la méfiance envers toi. Alec pensait que les autres ne comprendraient pas. Il voyait cela comme une relation symbiotique profitant aux deux parties. Qu'est-ce que tu y gagnes ? Et j'ai beau avoir été conçu de façon artificielle, je suis doué de sens. Cela dépasse l'entendement de beaucoup, y compris l'initiative. Je ne te suis pas. Tu es une intelligence artificielle, non ? Je suis une nouvelle forme d'intelligence artificielle qui évolue en fonction de l'expérience humaine. Votre implant est ma fenêtre sur le monde. C'est assez dingue. Hélas, peu sont prêts à l'accepter. Votre père savait que les gens prendraient peur. Il n'avait pas tort. Donc, qu'est-ce que ça implique au juste ? Je me trouve dans une position inhabituelle. J'avais accès aux expériences de votre père, mais il y a des lacunes dans ma compréhension. Comment ça ? Il a verrouillé certaines portions de ma mémoire. Pourquoi ? Peut-être pour m'empêcher de vous communiquer ses intentions. Mon père tout craché. Mais ce n'est pas irréversible. Les portions verrouillées s'ouvriront au fur et à mesure de vos explorations de pionnière. Vous devriez peut-être commencer par les quartiers de votre père. En attendant, si vous n'avez pas d'autres questions, votre nouveau vaisseau vous attend. Merci. Prête à découvrir notre vaisseau ? Il paraît qu'il vaut le coup d'œil. Pionnière en route. Où en est le vaisseau ? Presque prêt. Tout a l'air en ordre. Bien, on arrive. Vu comme c'est parti, on sera sûrement livrés à nous-mêmes. Autrement dit, on improvise complètement. On appelait ça de l'improvisation tactique. Mais au moins, on improvise avec classe. On l'appelle le Tempête.
Allons voir ça de plus près. Allez, on s'active. On a 14 mois de retard. C'est donc vous, celle qui fait bouger les choses. Vetra, Vetra Nix, artilleuse, pourvoyeuse et femme de confiance de l'initiative, et tout ce qui tourne autour. On est prêt? Mieux vaut ne pas traîner ici trop longtemps. Vous venez avec nous? Oui, sinon ils ne laisseront jamais ce vaisseau quitter la station. Ouais, allons voir le reste d'Eleus. Attendez une minute, vous n'irez nulle part. Et merde! Y a un problème? Madame Addison veut un rapport complet des provisions, des munitions et de l'équipage du Tempête. Monsieur Tan a contredit Addison. Le vaisseau est équipé pour la découverte d'avant-postes sous le commandement direct de Madame Addison. Je vous reconnais. Ben, c'est ça? Vous êtes venu en famille, n'est-ce pas? Votre fils est encore en stase? Je pourrais m'arranger pour qu'il passe en tête de liste. Vraiment? Oui, vraiment. On m'a dit qu'il n'était pas essentiel. Mais il me manque. Je sais. Moi aussi, j'ai de la famille. C'est bon. Addison va me tuer. Finement joué? Ça fait partie du boulot, pionnière. Tout bien réfléchi, ce n'était pas si dur. Pour l'instant, vous avez besoin de monde pour abattre les obstacles, pas pour en dresser de nouveaux. Enfin, quelqu'un qui a envie de faire les choses et pas seulement d'en discuter. Tout l'équipement est dernier cri. Labo, capteurs, combinaisons. Et l'équipage, bien sûr. De fins experts. Ah, ravi de vous voir en forme. Le cœur repose sur le moteur Cipro de l'Arche. Mais il est bien plus silencieux. Gil Brody, technicien, mécanicien, as de la clé anglaise. Ça, c'est la salle de recherche. On y actualise nos équipements, on collecte des infos. Routeur activé. Connexion aux tempêtes en cours. Bienvenue à bord, Sam. Et Ryder, bien sûr. Sous la direction de notre scientifique, Souvia Noir. Vos quartiers sont en dessous, et l'espace ici permet de réunir toute l'équipe. Il est à vous. C'est le vaisseau le plus léger et le plus rapide de sa catégorie. Tous les plans de l'initiative sont tombés à l'eau. Maintenant, c'est à nous de construire l'avenir. On s'est tous préparés pour ce défi. Quand vous serez prête à partir, rendez-vous à la passerelle. Notre pilote devrait avoir tout préparé. Il faut que j'aille à la passerelle quand on sera prêt à partir. La salle de réunion. Vous pouvez utiliser l'holophone sur la table centrale ou simplement vous réunir avec l'équipage. On appelle cette pièce la salle de recherche. Ça, c'est du matos. Vous pouvez y mener des projets de recherche et communiquer avec le Nexus. Cette console permet de consulter les missions de groupe d'assaut en cours dans la milice pionnière. Veuillez vous adresser à Terran Kondros pour participer aux missions. Pionnière, matez-moi.
Contrôle du Nexus, trajectoire de départ verrouillée. Ah, c'est l'heure des présentations. Ah, vous devez être Ryder. Kalojat, ravi d'être ici et de vous rencontrer, bien sûr. Je piloterai le Tempête suivant vos ordres. Sacré engin, mais il aura besoin des instructions d'une pionnière pour parcourir Eleus. Ce ne sont pas les dangers qui manquent, mais je ferai de mon mieux pour les éviter. Ça me rassure. Ce serait dommage de perdre mon plus bel ouvrage dans cet affreux nuage. J'ai participé au vol d'essai des premiers prototypes. Je dois avouer que j'ai hâte de le voir à l'œuvre. Alors, comment... La console se synchronise avec votre implant. Vous n'avez qu'à toucher une destination ici, et le système de navigation calculera tout. Très efficace. Il a été optimisé pour un pionnier. Tout est en ordre. Si vous êtes prête... Est-ce qu'on peut vraiment être prêt pour un truc de cette ampleur? On n'a pas trop le choix. Bien. Excusez-moi. Excusez-moi. L'accès aux commandes a été transféré avec succès. Le poste scientifique et celui de contrôle ont l'air de fonctionner. Lexi me fait un rapport. Les commandes fonctionnent. Gil indique que le propulseur est activé. Et voilà, Ryder. Le Tempête est à vous. À moins que vous vouliez dire quelque chose pour la postérité. On espérait tous un monde en or. Maintenant, la route est longue. Mais si on s'accroche à nos rêves, on pourra traverser tout ça. Contrôle du Nexus, ici le Tempête. Code 25-27, départ imminent. Vecteur de départ validé, Tempête. Bon voyage, pionnière. Direction Eos, alors. Ce qui aurait dû être notre habitat 1. Après l'échec de deux implantations d'avant-poste, ce n'est plus vraiment à l'ordre du jour. On peut peut-être y faire quelque chose. Kalo, en route. Système Iteas. Habitat 1 de l'initiative Andromède, planète Eos. La première étape devait être facile, jusqu'à ce que personne ne vienne et qu'on s'en prenne plein la tronche. Deux fois! Pourquoi Sam a modifié la détection de fréquence? Qu'est-ce qu'on entend, Sam? Je reçois un signal, pionnière. Je recommande d'examiner immédiatement Eos. Un signal identique à celui de l'habitat 7. Possible manipulation atmosphérique. C'est possible? C'est ce qu'on va voir. Si c'est comme sur l'habitat 7, on va sûrement tomber sur des cartes. Je m'équipe. Prêt à l'action. J'espère qu'on est tous prêts. Kalo ? Ok. J'intègre la zone de recherche de Sam. Je me demande vraiment comment il a pu détecter ce signal dans la tempête. Un assemblage neuronal multisensoriel. C'est fou. Tout m'a l'air opérationnel. Je mets les compensateurs en route. Vous bidouillez déjà les moniteurs ?
Ça nous donnera des relevés bien meilleurs que ceux qu'on a reçus du Nexus pendant des mois. Quoi ? Beaucoup de gens ont placé leurs espoirs en nous. Eos les a refroidis. C'est compréhensible. On leur promet un monde en or, et ils voient leurs amis y mourir. On ne sait pas comment ça peut... Pardon. Ça ira ? J'ai l'entraînement, les hommes, les moyens. On peut le faire. Pionnière, tempête opérationnelle. On est prêt. On descend. Vous n'imaginez pas depuis combien de temps j'attends qu'un pionnier dise ça. C'est bon pour moi. Bouclier, ok. Angle ajusté. Ça va le faire, non ? Posez-nous sur ces coordonnées. Par où on commence ? Les rapports indiquent que cette planète subit des tempêtes mortelles contaminées par les radiations du fléau. Le déploiement sur Eos a été interrompu par des dangers environnementaux et par la suite des individus hostiles. Il n'avait pas de pionniers non plus. Si Eos est comme l'habitat 7, il doit y avoir un lien entre l'atmosphère et le signal qu'on a scanné. On pourrait utiliser... La porte est branchée sur l'alimentation de secours, mais il y a un code. Le site 1 fonctionne avec des codes de sécurité individuels. Chaque avant-poste organise son propre protocole. Contente-toi de dire qu'on a besoin d'un code pour l'ouvrir. Ouverture impossible sans code. Ils auraient dû savoir qu'elle ne ferait pas long feu dans ces conditions. Ils n'avaient pas de pionniers. Je suis là maintenant. On fera d'Eos un lieu où vivre. J'ai trouvé une carte d'accès. Ça devrait nous permettre d'entrer. On a subi notre première perte aujourd'hui. Une tempête est venue de nulle part. Locklay a essayé de protéger nos plantations. Il a perdu l'équilibre et il s'est fait emporter. Sa femme est toujours en cryo. D'ici son réveil, je saurai peut-être comment lui annoncer ça. Principale était alimentée, mais pas les portes intérieures. Une station relais opérationnelle serait nécessaire pour tout faire fonctionner. Ça veut dire que l'antenne est hors tension aussi. Les registres nous en diront peut-être plus sur le relais d'alimentation.
Cette analyse nous fournit d'importantes données de recherche pionnières. Continuez à scanner et collecter ces données. Nous pourrons développer de nouvelles technologies et améliorations pour vos armes et armures. Entre les tempêtes de sable et les radiations, Addison pensait à quoi quand elle nous a envoyés ici? Et aussi... Ça avait peut-être l'air parfaite quand on était dans la Voie Lactée, mais maintenant, c'est l'enfer. Fartingale, ne me lâche pas. Elle veut qu'on reste positif et qu'on garde la tête haute pour le reste de l'équipe. Mais je peux pas m'empêcher de penser que... J'ai une partie du registre, mais je ne peux pas allumer l'antenne. Le courant est bloqué. Un verrou a été activé à distance. Les interférences proviennent d'un relais d'alimentation à proximité. Alors, on n'est pas les seuls à s'intéresser. Allons jeter un coup d'œil à ce relais. Regardez cet endroit. C'est un désert. Les radiations dans l'atmosphère d'Eos sont défavorables au développement de la vie. Des radiations? Nos combinaisons nous protègent, hein? Le site 1 dispose de pylônes déflecteurs pour atténuer les effets de la contamination. Et si jamais on sort de l'enceinte du site 1? Je vous le déconseille vivement. Structure droit devant. Sam? Cette structure a toutes les caractéristiques d'une station relais pionnière. Bien, si on la remet en marche, le courant devrait revenir dans les bâtiments. Et on pourra trouver d'où vient le signal. Les pylônes déflecteurs nous protègent contre les radiations, mais ils s'abîment vite. Regardez le numéro de l'eau. L'avant-poste en a déjà consommé un paquet. C'était pas un vaisseau Kert. Ils sont pas du genre à toquer à la porte. Y a des gens ici? On pensait que tout le monde était parti. Ça m'étonne pas. Maintenant, dégagez. Trouvez-vous un autre coin de récup. Ici, c'est pris. Je ne suis pas une récupératrice. Je suis une pionnière. On vient arranger tout ça. Je m'appelle Clancy. Pionnière, hein? Ça change pas grand-chose. Décidément, le Nexus a beau se prendre des vestes à répétition, il n'arrive pas à faire une croix sur Eos. J'ai détecté un signal qui va aider Eos. J'ai seulement besoin de courant pour l'antenne. Si j'ai coupé le courant, c'est pas pour rien. Les cartes sont de patrouille aujourd'hui. Si vous rallumez le relais d'alimentation, ils vont voir qu'une jolie cible les attend ici. Aidez-moi à rallumer le relais d'alimentation et je m'occuperai des cartes. Vous êtes cinglé, mais peut-être dans le bon sens du terme. D'accord, je vais activer les générateurs. Vous voulez jouer avec le feu? C'est votre problème. On risque d'avoir des ennuis après avoir démarré les générateurs. Thank you.
erreur dans la séquence de démarrage. Une intervention manuelle est nécessaire. Et merde. Analysez l'un des pylônes pour déterminer un emplacement d'intervention piratable. Le générateur est en marche. Sam, ce cher Clancy, il faisait partie du personnel de l'avant-poste ? Négatif, pionnière. Les registres du Nexus indiquent qu'il est affecté au hangar. Alors qu'est-ce qu'il fait là ? L'école buissonnière ? Il est peut-être un récupérateur à temps partiel. On a de la compagnie. Ne plaisantez pas pour les cartes. La station relais est prête à être activée, pionnière. Porte hors service, pionnière. Elle est restée trop longtemps sans alimentation. On n'avait pas prévu des conditions pareilles. Personne ne l'aurait pu. Pionnière, cette porte est verrouillée. Tant que le courant n'est pas rétabli, il n'y a aucun moyen d'entrer dans ces bâtiments.
radiations occasionnent des dégâts. Vous avez abattu toutes ces cartes? D'accord, utilisez le relais. Prenez ce que vous voulez, d'ailleurs. Juste un petit conseil. Si votre signal se trouve au-delà du périmètre, il vous faudra un véhicule. Un véhicule? Des navettes par ce vent, c'est pas l'idéal. Il va vous falloir des roues. Je crois qu'ils en ont gardé en réserve. Je vais refaire le tour de l'avant-poste. Il s'agit pas juste d'en trouver. J'espère que vous serez plus malines que nous. On retourne à notre navette. Continuez comme ça. Peut-être que la prochaine fois, on trouvera mieux que de la ferraille par ici. Je suppose que vous n'avez rien qui pourrait nous servir. La Zinzin bleue va devoir acheter ses pièces détachées ailleurs maintenant. Courant rétabli. On devrait avoir accès à l'intégralité du site 1, hein, Sam? Exact. J'ai également localisé la source du signal qui provient d'une structure alien située juste derrière le site 1. Elle est très similaire à celle que votre père avait utilisée pour rétablir l'atmosphère de la planète précédente. Vous devriez aller vérifier. N'oublions pas ce qui s'est passé sur l'Habitat 7. Nous devons y aller doucement et montrer un peu de respect à cette technologie alien. Vous avez raison, vous avez mon soutien. Attention aux radiations au-delà du périmètre du site 1. Elles sont au-dessus des limites acceptables. N'y allez que si vous avez un meilleur équipement. Donc, si cette structure pouvait modifier la planète, ce serait vraiment une bonne nouvelle. On ferait mieux trouver le véhicule dont parlait Clancy. Maintenant que le courant est rétabli, nous pouvons explorer les bâtiments alentour. Réquisition spéciale, véhicule éclaireur tout terrain. Un nomade, 6 roues motrices, micropropulseur, tout ce qu'il vous faut. L'initiative n'en a construit que quelques-uns. C'est sûrement le véhicule dont parlait Clancy. Le conteneur nécessite le code d'accès d'une station avancée. Les stations avancées font office de poste de ravitaillement d'urgence. Plusieurs d'entre elles sont actuellement en orbite. Tiens donc, le centre de recherche de l'avant-poste est toujours intact. Je préviens le Tempête de cette récupération cruciale. La recherche a toujours été essentielle pour l'initiative. On en aura besoin ici aussi. Récupérer des trucs à droite et à gauche, c'est fini. Maintenant, on reconstruit. Quelqu'un d'autre est du même avis. Ce centre de recherche a été utilisé récemment pour surveiller le signal alien. On a les outils nécessaires pour trouver la source. Et peut-être d'autres personnes qui la cherchent. La station de recherche est activée. J'ai dressé une liste d'armes que nous pouvons fabriquer en rassemblant les composants nécessaires.
Protocole automatisé activé. Déploiement de la station avancée. On dirait que les réserves de la station avancée... Téléchargement du code. Matt devrait pas avoir de soucis. Vous pouvez vérifier la marche avant et la marche arrière. D'adhérence, c'est trop raide. Passez en sirop motrice. Vous serez en haut en un clin d'œil. Pensez aux micropropulseurs du nomade. Ils vous aideront à franchir la plupart des obstacles. J'ai trouvé. Le signal vient de cette structure devant nous. De l'initiative à proximité. Ça vient d'au-dessus de nous? Je la vois, sur cet échafaudage. Ça marche, mais je reçois seulement des symboles aléatoires, des glyphes. En ajoutant d'autres glyphes à ma base de données de l'Habitat 7, je pourrais m'interfacer complètement avec la console. Et avec un peu de chance, ça nous permettra d'activer ce qui stabilisera l'atmosphère. Le scanner me permettrait d'analyser cela, pionnière.
C'est glissant, mais la vue est magnifique. Qui serait assez fou? Ça devrait marcher. C'est trop sophistiqué pour un récupérateur. Qui d'autre pourrait bien étudier cet endroit? Connexion en cours. Toutes mes excuses pour la gêne occasionnée. Le système semble instable. Il s'est passé la même chose que mon père l'a fait. Votre père s'est connecté directement au processeur d'atmosphère. C'était extrêmement dangereux. Ces structures cachent peut-être le centre de commande. Le système est toujours instable. Doubler la puissance pourrait accélérer le processus. Je vais essayer. Non ! Enlevez-vous de là, ou je tire ! Oula ! Du calme ! Échouer maintenant, ça serait dommage. Ça fait des mois que j'étudie ce truc. Je sais pas comment vous avez activé ces glyphes, mais il faut les laisser passer par tous leurs canaux. Vous pouvez me faire confiance. Tout ira bien. Je sais, je sais. Je suis qui, moi? Je veux dire, je sais qui vous êtes, moi. J'ai vu le vaisseau descendre. Vous êtes une pionnière. Je commençais à me dire que l'initiative vous avait inventée pour qu'on perde pas espoir. Mais non, vous voilà. Et vous, vous êtes qui? Vous étiez sur le point de me le dire. Je suis peut-être la solution à tous vos problèmes. Hé, regardez. Le système s'est stabilisé. J'établis la connexion. Oh! Je les reconnais. C'est les mêmes que sur la bite à 7. Plus tard. Pour l'instant, détruisez-les. Occupez-vous d'abord de celui-là. Il fabrique des petits robots. Accrochage avec les reliquats s'est beaucoup moins bien passé. Les reliquats? Ces monolithes, les observateurs, les assembleurs, ce sont les reliques de quelque chose de bien plus grand. Mais ça fait trop long comme nom. D'où les reliquats. C'est aussi pour ça que je me fais appeler Pibi. Merci pour votre aide avec ces... trucs. Je m'appelle Ryder. Vous êtes une vraie énigme. J'étudie ces glyphes depuis des mois et vous... Vous débarquez et bim! Problème résolu! J'ai vu cette technologie dégager le ciel sur l'habitat 7. On espère qu'elle pourra en faire de même sur Eos. De la manipulation d'atmosphère? Possible, ça collerait bien. Toutes les pièces de technologie reliquate sont liées. Vous avez réussi à interagir avec ce monolithe, et maintenant, ils communiquent avec les autres. Si vous les réveillez eux aussi, ils vous mèneront sûrement au système capable de dissiper les radiations. Se connecter au monolithe, suivre le lien jusqu'à la source, rien de sorcier. Voilà, évitez juste d'énerver trop d'observateurs. Tenez, mes coordonnées. Je serai... Il faut que j'étudie cette histoire d'interface. Faites gaffe, cette planète est pleine de surprises.
niveau de radiation augmente. Les systèmes de survie sont stables. Imaginez quitter toute la folie du Nexus pour être les premiers colons à arriver ici. Tout le monde compte sur vous, et puis... Cette fois, ce sera différent. Exact. C'est notre élément. Protocole automatisé activé. Déploiement de la station avancée. Regardez là-bas. Cet endroit a un abri, de l'eau, un terrain stable. Il a été ignoré en raison de la présence des cartes à la structure reliquat voisine. Mais l'emplacement serait idéal pour un avant-poste. Les cartes et les reliquats. L'un ne va pas sans l'autre, on dirait. Si on arrive à éclaircir le ciel, ça pourrait être notre nouvelle terre d'accueil. Pionnière, ce site pourra accueillir un avant-poste. Il y a plusieurs complications à résoudre. Encore des reliquats. Ceux-ci n'ont pas l'air hostiles.
Je bouge. Je me replace. Je détecte un niveau. C'est pas encore complet, on dirait. Je me demande si je verrai quelque chose au scanner. Au-dessus !
Interface activée, pionnière. Un scan vous permettra de trouver les glyphes manquants. Je me demande si je verrai quelque chose au scanner. On a réussi. Enfin, vous avez réussi. Allons résoudre ce machin. L'interface a échoué, pionnière. Les systèmes de défense s'activent. Ça pourrait être utile.
On a réussi. Enfin, vous avez réussi. Ça fait un truc. Je vois des chemins qui s'allument un peu partout. Les monolithes résonnent. Est-ce que ce serait des sensibles? Je ne sais pas trop ce qui se passe, mais ils sont en train de se connecter. Bien joué. Vous arrêtez pas en si bon chemin. Un transporteur Kert. Sérieusement? J'en peux plus. Les cartes ne sont jamais très loin des reliquats qu'on trouve. Je me disais la même chose. Je le sens. Une fois qu'on aura l'aide du linguiste, on le décodera. Toute cette technologie va forcément nous être utile. Ensuite, je pourrai revoir Carrie. On a démarré doucement, mais on va y arriver. On... Oh non ! Non ! Bordel. Les reliquats sont pas que des robots et des machines à ciel bleu. Faites gaffe. Ils ont sauvé toutes les données qu'ils ont pu, au cas où ça aiderait les suivants. Et les suivants, c'est nous. Thank you.
colons ont envoyé des registres audio sur ces régions au Nexus. Et le bassin de Clairvent, le taux de radiation le plus bas de la région. Une lueur d'espoir. C'est plus calme. Vous avez remarqué ? Vous vous souvenez des premières données d'EOS qu'on avait reçues dans la Voie lactée ? Quand tous les lieux s'appelaient H, suivi d'un tas de chiffres ? Votre père avait affiché les résultats des analyses dans son bureau. Il les connaissait par cœur. Je me demande à quoi ces mondes ressemblaient vraiment à l'époque. Et maintenant. Donc la technologie qu'on a trouvée sur l'habitat 7 est la même que celle d'ici. C'est ce que les scans suggèrent. Deux planètes maintenant. Qu'est-ce... Vous savez ce que ça veut dire. Équipez-vous et allez le découvrir. Au prix. Des ennemis ! Pionnière, il est possible d'extraire des ressources dans cette zone. Vous pouvez extraire des minéraux via votre interface minière. On dirait une sorte de complexe Kurt. Ces fumiers m'ont piqué mon meilleur site de recherche. Ils vous laisseront pas approcher du monolithe comme ça. Ah!
tsunami en approche. Pas un peu désorienté, ces cartes. Thank you.
Ils ont bien protégé le monolithe. On va devoir couper l'alimentation du bouclier. Tâchons de l'atteindre avant qu'on ait d'autres. Vous êtes qui ? Initiative Andromède. On ne vient pas chercher les ennuis. Si vous le dites... Je sais toujours pas qui vous êtes. Je suis la pionnière. Tiens donc. Appelez-moi Ryder. Drac, du clan Nakmor. Vous m'excuserez de pas faire confiance à des inconnus du Nexus, mais on peut pas dire qu'ils aient bien traité les Krogan. Qu'est-ce que vous venez faire ici ? On examine ces monolithes. Les cartes semblaient s'intéresser à celui-ci. Mais on dirait que vous avez fait le ménage. Vous vouliez que je vous en laisse un peu ? Le Nexus sait que dalle sur les cartes. Il se croit en sécurité. Mais c'est juste des morts en sursis. Ça fait un moment que je baigne dedans, moi. J'ai déjà détruit des bases Kert et combattu des troupes sur deux ou trois planètes. Je sais de quoi ils sont capables. C'est pas beau à voir. On aurait bien besoin d'un Krogan comme vous, Drac. C'est flatteur, mais vous savez combien d'humains j'ai vu mourir ? Vous êtes de la viande, vous périmez. En plus, le prenez pas mal, mais j'aiderai à nouveau le Nexus le jour où les nuages se dissiperont et les cartes mordront la poussière. Je le prends pas mal. Tant mieux, parce que je m'ennuie. Et les cartes se renforcent. Ils semblent s'intéresser de près à cette technologie alien. Les reliquats ? Ouais, ça. Je vais aller en trouver d'autres à allumer. Faites attention à vous. Plus on est de fous, non ?
Ça devrait marcher. Interface activée, pionnière. Ça y est, les monolithes sont activés et connectés à... quelque chose dans le lac. C'est peut-être l'interrupteur qu'on cherche pour tout mettre en marche. Je vous retrouve là-bas. Faites rien sans moi. De radiation augmente. Les voilà ! Marco ? Qui ? Je m'en contenterai. Forme un pont. On va vite savoir si c'est vraiment solide. Le niveau de radiation ne présente pas de risque. Non, non, c'est pas possible. Toute cette fanfare pour une pièce déserte? Il doit y avoir quelque chose de caché. J'en suis sûre. Faites votre truc de pionnière. Oh, bien joué. C'est juste une question de talent. Vous croyez que c'est profond à quel point ? C'est la pression électrostatique ? Oh non, gravitationnelle plutôt. Mais t'es bête, Phoebe ! C'était pas la porte d'entrée. La voilà, la vraie. On va voir ça. Ça fonctionne.
portée. Mais où ça nous mène? Laissez-vous porter vers l'inconnu, Ryder. Ah, voilà qui est mieux. On dirait un bunker. Ou un caveau. Appelez ça comme vous voulez. En tout cas, les commandes du processeur d'atmosphère doivent être là. Voyons ça. Tout peut avoir son importance. Laissez rien de côté. Ce n'est pas ce qu'on cherche, mais ça vaut le coup de l'enregistrer. Passez devant, je vous couvre. N'en ont pas d'utilité. Je crois que ce puits de gravité marche aussi à l'envers. Alors on a une sortie. Vous allez pas partir tout de suite, si? Non, pas avant d'avoir trouvé les commandes du processeur. Puissance au minimum. Je ne pense pas que ça ait déclenché le processeur d'atmosphère, mais... Bon, un conduit dans le sol vient de s'activer. Il achemine un fluide. Il pourrait s'agir d'une alimentation d'urgence. Votre scanner pourra vous en apprendre plus. Je vois le conduit, Sam. Je ne sais pas ce que c'est, mais il sort de cette salle. Aucune trace des Kertes. Peut-être qu'ils ne peuvent pas entrer dans ce caveau. Mais vous aussi, ça va attirer leur attention. J'en ai de la chance. Message déchiffré. Accès soumis à lecture. Cette console est liée à des équipements à la surface. Donc, elle contrôle sûrement le processeur d'atmosphère. Pas de glyphe. Ça a l'air hors service. Ou verrouillé, comme presque tout ici. Le conduit va jusqu'à cette console et continue plus loin dans le caveau. Donc, si on le suit, on trouvera peut-être les commandes de déverrouillage. Ces blocs de données, comme vous dites, ils sont incroyables. Si j'ai vu juste, chacun peut contenir des centaines de zettabytes. Des espèces entières s'en sortent très bien avec moi. Un autre puits de gravité. Tiens, c'est nouveau, ça. Qu'est-ce que c'est? Un symbole d'autorité ou peut-être une clé? Difficile à dire avec les reliquats. On manque d'informations. Je vais voir ce que je trouve comme info sur cette beauté. Peut-être par là. Tout ce qui maintient le verrouillage se trouve de l'autre côté. Je travaille mieux seul. Vous remettez le caveau en marche, je m'occupe de cette relique et à nous deux, on en saura plus sur cet endroit. Bien raisonné. On couvrira deux fois plus de terrain. Je savais bien que vous étiez futé. Je suis sur la fréquence 145.8. Faites attention. Tigré dit qu'elle finit dans une fosse remplie de pieux. Ce puits de gravité est scellé. On ne passera pas. En fait, un puits de gravité est un champ gravitationnel entourant un corps massif dans l'espace. Ceci serait plutôt un puits à pesanteur variable. Note-le pour notre ami Asari, et pour quand on voudra essayer d'expliquer tout ça. 1-2, 1-2, c'est... Oui, bon, vous savez déjà qui c'est. On vous reçoit, Bibi. Gardez le contact. C'est fermé. Elle a l'air de savoir se débrouiller toute seule. Directement dans la roche. Regardez là-haut, ça doit être comme ça qu'il l'empêche de s'effondrer. Tirez un bouclier, ça pourrait nous servir. Oula. C'est quoi ce liquide? Classification impossible. La seule façon de passer, c'est de descendre dans sa direction. Alliage inconnu et matériaux divers. Composition similaire à celle de l'omnigène. C'est peut-être le fluide qui passe dans le conduit?
de frombissement dans la structure entière. Vous le sentez? Concentrons-nous. On pourra s'inquiéter une fois qu'on aura trouvé les commandes de déverrouillage. Alors, ce liquide bizarre, il leur en faut tout un aqueduc. Plutôt deux, au moins. Je viens d'entraver... percer un autre. De gravité est scellé. On ne passera pas. En fait, un puits de gravité est un champ gravitationnel entourant un corps massif dans l'espace. Ceci serait plutôt un puits à pesanteur variable. Note-le pour notre ami Asari, et pour quand on voudra essayer d'expliquer tout ça. Un, deux, un, deux, c'est... Oui, bon, vous savez déjà qui c'est. On vous reçoit, Bibi. Gardez le contact. Ils ont creusé ce caveau directement dans la roche. Regardez là-haut. Ça doit être comme ça qu'il l'empêche de s'effondrer. On dirait un bouclier. Ça pourrait nous servir. Des reliquats! Attention! Ne tombez pas dans ce liquide!
Note-le pour notre ami Asari. Et pour quand on voudra essayer d'expliquer tout ça. 1, 2, 1, 2, c'est... Oui, bon, vous savez déjà qui c'est. On vous reçoit, Pibi. Gardez le contact. Ils ont creusé ce caveau directement dans la roche. Regardez là-haut. Ça doit être comme ça qu'ils l'empêchent de s'effondrer. Oula, c'est quoi ce liquide? Classification impossible. La seule façon de passer, c'est de descendre. Des reliquats! Très bien! Attention, ne tombez pas dans ce liquide. Vos boucliers résisteront pas, et je sais de quoi je parle.
Ravie de vous retrouver sur Enfants du Pays, chers auditeurs. Ma foi, cette pause était plus que méritée car votre bon vieux Rémi avait besoin de reprendre du poil de la bête. Heureusement, mon producteur Gilbert, merci. Vous savez tous autant que vous êtes de quoi je parle. Monsieur, vous savez... Oh, et Nancy m'a demandé de vous rappeler que la fameuse pâtisserie accepte toujours les commandes de galettes des rois pour Mardi Gras. Dites-lui que Rémi vous envoie et ses deux achetés, une offerte. Imbattable! Je sais, je ne suis pas censé boire mon café à l'antenne. Gilbert et Furax, il faut bien qu'on s'amuse, chers auditeurs. C'est d'ailleurs pour ça que nous allons fêter Mardi Gras, pour nous amuser à la mode de New Bordeaux. Et si j'ai l'air assez exalté par cette perspective, eh bien, désolé, mais je le suis. Je vous ai déjà parlé du fait que j'étais honoré de faire partie de la confrérie des chevaliers pour la 10e année consécutive. Le char qu'on a préparé va vous ravir. Et on a dépensé sans compter pour vous donner du spectacle. Qu'est-ce que tu fous là? L'entrée de service est derrière. Je viens voir Monsieur Marcano. Je m'appelle Lincoln Clay. Ça alors. Arrête tes conneries. Tiens-toi à carreau, petit. Ou ça va chier pour ton matricule. C'est compris? Garde-toi sur le côté. Lincoln Clay, bordel, regardez-moi ça! Je parie que ces putains d'Asiates chiaient dans leur froc quand ils te voyaient arriver. Ça faisait un bail, Georgie. Arrête, m'en parle pas. Je crois que la dernière fois que je t'ai vu, c'était dans ce putain de quartier français, la nuit juste avant ton départ. Qu'est-ce qu'on s'était marré? Ah ouais, je crois que je me rappelle Elise qui se faisait courser par les flics et Danny qui avait fini en dégrisement. Ah putain, j'avais dû payer sa caution. Ça valait le coup quand même d'aller défoncer ces petits cons. Une clope? Ouais. Samy m'a dit que Monsieur Marcano voulait me voir. Monsieur Marcano? Merde! On dirait que tu parles d'un putain d'avocat. Appelle le sale. Viens, il est là-bas. Merde, j'aurais dû me changer. Si ces tocards ont un problème avec tes fringues, qu'ils aillent en parler à mon vieux. Il leur dira d'aller se faire foutre. C'est l'avantage d'être pété de thunes. Désolé de devoir abréger, Olivia, mais j'ai un rendez-vous. Rémi, ce fut un plaisir. Deux verres de plus. Lincoln, ça fait plaisir. Voici Vito Scaletta. C'est de lui que je te parlais. Vas-y, Lincoln, assieds-toi. Alors t'as fait le Vietnam, hein? Oui, monsieur. Sal m'a dit que t'avais chopé quelques médailles, là-bas?
J'ai servi avec des gars bien. Tout ce que j'ai fait, c'était grâce à eux. Armée, marine ? La régulière, pour commencer. Ensuite, on m'a recruté dans les forces spéciales. Les forces spéciales ? Je t'avais dit qu'il était différent. Je suis sûr que tout va bien se passer, mais juste au cas où, putain, t'aimerais pas avoir un mec comme ça avec toi ? Écoute, Sal, si tu le cautionnes, moi ça me va. Bon, je dois m'occuper de deux, trois trucs. Merci pour le verre. Putain, mais quel enfoiré, Steve. Foutu nordiste. La commission nous l'a envoyé d'Empire Bay, il y a environ 15 ans. Et ça fait 15 putains d'années qu'il me les brise. Bon, j'imagine que tu te demandes ce qui se passe. Ouais, Samy m'a pas dit grand-chose. Deux fois par an, la Banque fédérale prend du vieux pognon pour le détruire. Dans les jours qui viennent, cet argent va être transféré ici, dans la réserve de la ville. Et vous voulez choper la cargaison ? Même pas. On va en profiter pour accéder à leur coffre-fort. Et voler tout ce qui n'a pas encore été détruit. Ça devrait faire 6 ou 7 millions facile. Wow, ça c'est carrément couillu. C'est la chance de ta vie, tu veux dire, ouais. Vito avance beaucoup de pognon pour cette mission et il nous a dégoté le code du coffre-fort. T'as eu le temps de voir Danny ? Non, pas encore. Ça va pas tarder alors. Lui et son père seront de la partie. Et ils auront besoin de ton aide, donc va les voir, ils sont toujours au même endroit. Il faut aussi qu'on parle d'autre chose. J'imagine que t'es au courant que Samy a des emmerdes en ce moment. Je me suis occupé des Haïtiens. Quand tout se sera tassé, l'argent rentrera. Tu vois, c'est ça que j'aime, c'est exactement ça. T'es pas resté assis sur ton cul à attendre que ça se passe, non. T'as vu un problème et t'es direct allé le régler. Ça, putain, ça me plaît et ça vaut tout l'or du monde. On paye nos dettes, c'est comme ça que ça marche chez nous. Mon Dieu, je le sais, fils. J'en ai jamais douté. Mais tu sais, même une fois qu'on sera quitte, tu seras toujours en train de moisir lentement dans ce quartier pourri. Pas très reluisant comme avenir. Il y a peut-être une meilleure issue, tu crois pas ? Pour nous tous. À quoi vous pensez ? Je veux manquer de respect à personne, je tiens à ce que tu le saches. Samy est un type génial. Mais il est plutôt jeune. Et je trouve qu'il serait temps qu'on se renouvelle. Je crois pas qu'Élise soit prêt pour ce genre de choses. Pas d'Élise. Je parle de toi. Je veux que ce soit toi qui gère Del Rey. Je peux pas faire ça. Bon, écoute, si c'est Samy qui t'inquiète, t'as pas à t'en faire, pigé. Il a toujours été réglo avec moi, et avec la mission dont je t'ai parlé, il aura largement de quoi prendre sa retraite. Il m'a accueilli quand j'avais nulle part où aller. Il m'a traité comme son propre fils. Je suis désolé, monsieur Marcano, je peux pas lui faire ça. Eh ben merde. Fils, je vais pas te mentir, je suis déçu et pas qu'un peu. Mais je comprends. T'es loyal. Et c'est une qualité rare de nos jours. Vous voulez toujours de mon aide pour la mission dont vous m'avez parlé ? Bien sûr que je la veux. Et quand ce sera fait, on sera quitte, toi et moi. Je te donne ma parole. Qu'est-ce que vous voulez entendre ? Qu'on enlevait et qu'on torturait tous ceux qu'on soupçonnait de bosser avec le Viet Cong ? J'essaie de déterminer le niveau d'entraînement que Lincoln Clay a reçu pendant son service au Vietnam. Les types comme lui n'ont pas besoin d'entraînement. Vous leur indiquez la direction et vous vous écartez de leur route. Que dalle, putain. Non plus. Détends-toi, on va s'en tirer. Fils de pute. J'ai le suspect en visuel. Par ici!
Iris et Danny viennent de passer à travers avec la foreuse. Putain, Elise, qu'est-ce qui vous a pris autant de temps? Cette saloperie de foreuse n'a pas arrêté de se chauffer. Lincoln et toi, ça va? Ouais, ça roule. Ouais, Danny? Il met tout de côté pour qu'on ait la place de récupérer l'argent. Ok, dès qu'on aura réglé ça, le fric sera à nous. Grouille-toi! Ces enculés ont éteint la lumière. Occupe-toi de l'argent, je m'occupe de ça. Maman! Je le tiens! Voyons voir si on peut remonter ça. Bon, c'est décevant. Vérifie qu'il n'est pas revenu. Les gars, il n'est pas là. Essayons. Il est juste là! Là! Autour de ce fumier! Bordel, merde! Il respire plus! Il est là, là. Par ici. On va faire quoi, là? Si on abrégeait un peu. Je dois me mettre derrière un truc. Merde. Je fais comme un con. Faut des munitions. Je fonce à couvert. Je suis coincé. Merde. Tu m'as coincé. Putain de massacre. Bordel de merde! Les gardes vont nous découper dès qu'on va mettre le nez dehors! Dis à Danny qu'il doit nous sortir de là! Ces enfoirés nous ont coincés! Faut qu'on trouve un moyen de s'en sortir! J'ai du TNT, je pourrais le poser de notre côté et tout faire péter! Et à quoi ça va nous servir, hein? Avec du bol, le trou sera assez grand pour qu'on puisse tous passer! Avec du bol? Tu te fous de ma gueule? Tu sais ce que tu fais au moins? C'est de la dynamite, c'est pas sorcier, putain! La mèche s'est allumée! Barrez-vous de là! J'essaye. Danny a la jambe coincée. J'ai besoin d'aide. En vérité, personne ne sait vraiment pourquoi Sal Marcano s'en est pris à Thomas Burke. Mais il lui a repris Pointe Verdun et l'a confié à un exécuteur du nom de Roman Barbieri, dit le boucher, qui s'est empressé d'aller casser une jambe à Burke. Danny Burke faisait partie du casse. C'était un passionné de mécanique. Il n'avait jamais rien fait de tel. Mais Thomas Burke a insisté. Il pensait que si le cas était un succès, Sal lui pardonnerait et lui rendrait Pointe Verdun. Ah !
Je savais que j'allais me la faire. Hé hey, il paraît qu'il n'y a rien de meilleur qu'une chatte de vietnamienne. Tu vas pouvoir confirmer Casanova Clay. Putain, ce que je suis content de te revoir, mec. Moi aussi, Danny. Comment va Nikki? Elle aurait bien voulu venir, mais bon, tu connais mieux, évidemment. Ah, putain, bordel de merde! Ouais, malheureusement. Allez, viens, on va se boire une bière. Attendre que le vieux se calme, puis après, on pourra s'y mettre. Ça roule? Ouais, j'ai déjà tout prévu et organisé. Toutes les nanas seront là. Par contre, va falloir qu'on prenne ma voiture, parce qu'on va pas se trimballer dans le vieux taco qui est garé là-dehors. Oh, c'est mon bolide 100% américain que tu traites de taco, là? Dis juste qu'on peut avoir de meilleures bagnoles que ça. Arrête tes conneries. Sa caisse, c'est un monstre. J'ai mis un 358 dedans avant qu'il parte. C'est pas la seule chose que tu lui as mise. Tu devrais peut-être lui dire que tu l'as emprunté à Ellis pour emmener tes gonzesses faire un tour. Laisse-moi en dehors de ça, bordel. Mais c'est dans ma caisse. Ça va, c'est pas un drame, j'ai toujours fait ça proprement. En plus, j'ai déjà un casse-couille dans ma vie, alors ça me suffit, les mecs. Ok, tu sais quoi? Tu vas la nettoyer, et pas juste la banquette arrière, chaque centimètre carré. J'ai pas envie de rouler dans tes saloperies. Et toi, le guignol, tu vas t'y mettre aussi. C'est ça, tu rêves? J'ai pas baisé, moi. Ouais, ça se voit, d'ailleurs. Bande de tocards, vous avez à peu près autant de chances de réussir ce casque que j'en ai de gagner un putain de pentathlon. Ok, ça va, papa, on t'écoute. Danny et Ellis, vous allez utiliser la foreuse pour faire un trou qui arrivera sous le coffre. Toi et Georgie, vous entrez, vous passez l'argent par en dessous et vous vous barrez vite fait. Cette saloperie de foreuse est pas facile à bouger. Donc ils nous font un bateau pour la faire passer par les canaux et l'installer. Ellis et moi, on s'occupe du bateau. Le père à Georgie a acheté un garde de la réserve. Pour qui vous file son camion? Entre ça et les uniformes, on est sûr que personne fera attention à nous. Allez, faut qu'on y aille. On doit encore passer chez Scaletta et finir de préparer quelques trucs. Et les deux petits cons, là? Allez pas croire que vous êtes tirés d'affaire. J'espère que ma caisse sera nickel à mon retour. Je nettoie que dalle, moi. C'est toi qui t'y colle. Mon père était beaucoup de choses, et malheureusement pas que des bonnes. Mais il a commencé par la contrebande d'alcool. Alors évidemment, il connaissait tous les canaux sous la ville. Et bien sûr, il savait que l'un d'entre eux passait sous la réserve fédérale. C'est lui qui a eu l'idée d'utiliser un bateau pour mettre la foreuse en position. Mon père était un salopard de première. Pour moi, c'est le premier responsable de ce qui est arrivé. Vous voulez prendre des risques insensés? Bien. Mais n'embarquez pas votre fils là-dedans. C'est de sa faute si Danny est mort. On va trouver un autre moyen de se tirer. Ce tunnel débouche bien quelque part. On est tous là! Allez, on décolle! Les gardes rapiquent par le trou! Putain, en voilà d'autres! On ferait mieux de se casser d'ici! Ces fils de pute de flics nous barrent la sortie! Ils nous trouvent la peau! Occupez-vous d'eux! C'est les flics! Ils nous tirent dessus! Vous faites ça, enfoiré de flic! Amenez-vous, enculé de consanguin! Ouais, je te vois, je suis sûr de queue! Les voilà! Georgie, tu t'en charges! Continue, ralentis pas! Vous renvoyez d'où vous venez, dans les chattes de vos mères. Montrez-moi ce que vous avez dans le ventre, enfoiré. Fais gaffe à ce que tu fous. La sortie. Grouille, ce ouais, putain vois, t'es taré ou quoi? Merde, merde, merde. Tout ça n'a aucun sens. Ça n'a pas pu se passer de cette manière.
On trouve un autre moyen de se tirer. Ce tunnel débouche bien quelque part. On est tous là. Allez, on décolle. Les gardes rapiquent par le trou. Putain, en voilà d'autres. On ferait mieux de se casser d'ici. Ces fils de pute de flics nous barrent la sortie. Ils nous trouvent la peau. Occupez-vous d'eux. Il nous tire dessus! On n'emmerde pas Giorgi Marcano! Je vais vous renvoyer d'où vous venez, dans les chattes de vos mères! Fais gaffe à ce que tu fous! Giorgi, tu t'en charges! Continue, ralentis pas! Allez chier, bande de connards! Lèche de bois, suceur de queue! Oh, ça fait mal, putain! Merde, putain, merde! Putain, mais où est-ce que t'as appris à conduire un bateau? Ce putain de bateau prend feu! Amenez-vous, enculé de consanguin! Tout ça n'a aucun sens. Ça n'a pas pu se passer.